Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alléluia. Amen. Bon, c'est pas grave, c'est pas proche. Merci Seigneur. Amen. J'ai le cap la prise. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis. Richement, 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 soyez bénis. Ah, je pensais que je vous avais partagé. Voilà, le son est là. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Alors, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Shalom. Young Rishi. Hein? Young Rishi, nous sommes le quatrième jour de la semaine. Amen. Ça doit mettre tout ça. Voilà. Nous sommes le quatrième jour de la semaine. Young Rishi. Alors, comme d'habitude, nous allons voir comment ça s'écrit. Yom Rishi, le quatrième jour. Quatrième jour, voyez en anglais là. Yom Rishi. Voilà. Alors vous avez, vous voyez que ça commence par un R. Comme pour le premier jour. Hein? Ça commence par un R. Ici, là, cette lettre-là veut dire la tête. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi le quatrième commence par un R? Parce que c'est le quatrième jour que les astres ont été créés. Amen. Le quatrième jour, il manque de la lumière, là. Attention. Voilà, c'est le quatrième jour que les astres ont été créés. Et c'est à partir des astres qu'on commence à compter, que le calendrier commence. Les trois premiers jours, le calendrier n'existait pas parce qu'on ne pouvait pas mesurer le temps. Les trois premiers jours. Oui, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. C'est au milieu de la semaine qu'on commence, que l'Éternel a créé les astres pour pouvoir mesurer le temps. Alors, si nous ne voulons pas suivre les astres, nous ne pouvons pas mesurer le temps. Même ceux qui ne suivent pas le calendrier de l'Éternel, ils suivent les astres pour mesurer le temps. Même ceux qui commencent les jours à minuit, ils font attention aux astres. Amen. Amen. Vous voyez que même en Europe, le fait que l'été et les jours sont plus longs, vous voyez, on modifie l'heure. Ce qui veut dire que les astres sont incontournables pour mesurer le temps. Ils sont incontournables. Nous pouvons contourner la façon de calculer le temps, mais on est obligé de tenir compte des astres. Amen. Ce n'est pas la sorcellerie, ni de, comment ça s'appelle, l'astrologie, de s'occuper des astres. Amen. L'Éternel a mis les astres là, c'est pour qu'on puisse calculer le temps. Amen. La lune, c'est pour calculer le mois. Le soleil, c'est pour calculer le jour. Alléluia. Voilà. Le jour et les années et le soleil. Et la lune, c'est pour calculer les mois. C'est pourquoi c'est pas par hasard qu'il y ait 12 lunes dans une année et tous les trois à 2 ans, ça dépend, il y a une 13e lune. Parce qu'il faut que la Terre fasse le tour du Soleil avant de compter la première lune. Alors, si la Terre n'a pas fini de faire son tour,
on attend. Alléluia. Parce que un mois, c'est un jour et une nuit sur la lune. Un jour et une nuit sur la lune, c'est un mois. C'est un mois sur terre. Et entre-temps, le temps qu'il faut, entre-temps, il y a 29 à 30 levées de soleil sur terre. Alléluia. Ayon Yongishi. Nous voyons la lettre R qui est représentée ici, le Resh. Après, il y a cette lettre-là. Alors, ce n'est pas c'est un bête. C'est un bête, c'est la deuxième lettre. Mais qui se prononce V. Hein, comme Abraham, vous allez voir les Arabes. Pas les Arabes, peut-être les Arabes le font aussi, je ne sais pas. Mais les Juifs, ils ne disent pas Abraham, ils disent Avraham. Parce que, et il prononce vite, alors ce V là, c'est un bête. Qui veut dire, il ne faut pas la compter comme la sixième lettre de l'alphabet, comme un vav, mais il faut la compter comme un bête. Comme on pourrait dire un vet. Alors, et le bête qui représente la maison. Le R, c'est la tête, le Resh. C'est la tête, la maison. Et puis, après, vous avez... Je ne vois pas très bien. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis là comme lettre? Mes lunettes, je ne sais plus où que je les ai égarées. J'ai des lunettes là. Aïn. Toi même, tu n'as pas vu que j'ai des lunettes. Elle n'a pas vu que j'ai des lunettes. Voilà, c'est un Aïn. C'est une lettre silencieuse. C'est un Aïn. Et après, vous avez le I. Voilà. Alors, entre le I, le Yod et le Bet, il y a un Aïn. Voilà. Alors, il faudrait que je me renseigne peut-être pour la semaine prochaine, parce que le mot Raf chez les Juifs, le comment ça s'appelle, le rabbin, il s'appelle le Raf. Ouais. Pourquoi? Parce que sûrement il y a un rapport avec le fait d'être le premier. Allez, attends, je regarde pour vous, c'est parce que je n'ai pas pensé à chercher ça. On va le faire pendant. Non. Raf, qu'est-ce que ça signifie? Ah, Raf, ça veut dire Abba. Alors, je lis comme ça pour vous. Hein. Raf, ça veut dire rabbin. Ah, ok. Raf. Ok. Ah, mais c'est pareil. Le R. En fait, le B là, c'est un. Le V là, c'est un B. En fait, ça veut dire rabbin. Voilà. Il y a un lien entre les deux. C'est Raf. Ils disent Raf parce que c'est bien un bête. Qui veut dire rabbin, qui veut dire Abba. Puisqu'on voit Abba, normalement, c'est Aleph et puis un bête. D'accord, c'est Aleph et Bet. Et là, le Aleph, ça veut dire le commencement. Et le Bet. Bet, qui veut dire... Qui veut de la maison ou le fils, voilà. Abba, ça veut dire père. Mais le Aleph, on le représente par une autre lettre qui veut dire aussi la tête. Il dit, je suis l'alpha. L'Aleph et le Tav, ça veut dire je suis le commencement. Et c'est Aleph. Mais le R, c'est commencement aussi. Qui veut dire à la tête. À la tête. Et je me posais la question, mais pourquoi on les appelle le Raf? Vous voyez, on retrouve le même mot. C'est Raf, ça veut dire père, parce que c'est le commencement, c'est ce jour-là qu'on a commencé à compter les jours. C'est pourquoi
le jour de la, le premier jour de la création et le premier jour qu'on commence à compter les jours commence par rien n'est au hasard en hébreu. Je vous ai dit ça comme ça, je voulais envoyer ça pour la semaine prochaine et je regarde. Et bien, le R là, qui est là, c'est un B. C'est, voilà, c'est comme ça, veut dire Abba, comme Aleph Bet. Alléluia. Alors, je vous lis qu'est-ce qu'ils mettent. Hein. Ça peut intéresser quelqu'un. Rabbi, Raph, c'est rabbin. Rabbi, Abba. Ba, en général, c'est fils. Hein. Ba, Hibo, plus connu sous ses surnoms de Abba, Arika, et surtout celui de Raph, est un rabbin babylonien du 3e siècle, considéré comme le premier et le plus grand des Amorim, c'est toujours, ça veut dire toujours élevé. Disons, Am, ça veut dire peuple, et le Amor, ça veut dire peuple élevé. Amorim, ça veut dire les peuples élevés. Parce que vous avez le Am, ça veut dire peuple, et le M suivi du R, ça veut dire élevé. Ces discussions avec son ami et contradicteur chez Mouel, forme la base de ce qui deviendra le Talmud de Babylone, etc. Mais voilà, on voit le côté de la tête, le commencement. Amen. J'avais pas fait le lien entre le B et voilà. Je vais dire le A, B, le Aleph Bet et le Ret Bet, mais ça veut dire vraiment, ça veut dire aussi père. Raph. Amen. Amen. Alors, nous sommes le jour des Raph. Alors, Griffim, Revim, le Him, voilà, c'est toujours pour dire tième. Voilà. Alors, quatrième, voilà. C'est pourquoi quatrième, c'est très important chez les Juifs, le quatrième jour de la semaine. Et c'est le jour que Yeshua est né. Il est né le quatrième jour et c'est le jour qu'il est mort. Le quatrième jour, au milieu de la semaine. Tu veux dire, le septième jour a de l'importance, mais l'autre jour, parmi les six jours, le jour le plus important, c'est le quatrième jour. Alors si vous pensez que c'est le vendredi le plus important, vous ne mangez pas vous mangez que du poisson le vendredi, alors mangez le poisson le mercredi, parce que si vous mangez du poisson en honneur, en mémoire de la mort de Yeshua, eh bien, Yeshua est mort le quatrième jour. Alors, pour mémoriser cela, mangez du poisson le mercredi. Comme ça, à la longue, toutes les générations sauront que c'est un mercredi qu'il est mort et non un vendredi. Arrêtons de manger le poisson le vendredi en mémoire de la mort de Yeshua. Si vous voulez manger du poisson en mémoire de la mort de Yeshua, mangez-le le mercredi. Amen. Afin de perpétuer pour à la longue qu'on puisse défaire ce mensonge qui a gangrené tout le christianisme depuis les catholiques, les protestants, les orthodoxes, tous. Ils disent que Christ est mort un vendredi et c'est complètement faux. Parce qu'entre sa résurrection, en plus il est ressuscité le jour du Shabbat. Alors, il ne peut pas avoir trois nuits et trois jours. Même s'il était ressuscité un dimanche, ça ne fait pas trois nuits et trois jours, ça fait un jour. Un jour et deux nuits. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je sais que c'est vérité dérange, mais certains disent, c'est pas important. Oui, c'est important. Parce que vous êtes en train de faire Christ menteur. Déjà, il y a des gens qui ont déjà du mal à croire qu'il est mort. Vous venez raconter des salades, dire aux gens que les trois jours et trois nuits en moins de deux jours. Il faut arrêter ces conneries. Qui perpétue. Amen. Alors, voilà. Je vais essayer encore. Tu vois. Seigneur, près de l'or.
Alors, nous allons le texte d'aujourd'hui. Alors, le texte d'aujourd'hui. Alors, nous allons voir la visite du beau-père de Moshé. Il s'appelle comment? Alors, on a transcrit Jethro, mais là, je vais vous donner son vrai nom tout à l'heure. Son vrai nom signifie en français excellence. Visite d'excellence, beau-père de Moshé. Excellence. Alors, nous allons finir la date et puis je vais vous donner. À Yong Michon, quatrième jour, nous sommes le 2 du mois de Sivan, qui signifie couverture, le recouvrement. Et c'est ce mois-là que le Seigneur a recouvert ses disciples du manteau du Saint-Esprit. Alors, c'est l'année 5782, selon le calendrier hébraïque. Alors, ce sont des dates qui sont approximatives. Voilà. Alors, nous sommes la sixième semaine de Shavuot. Il nous reste une dernière semaine, la semaine prochaine. Il veut dire, après le prochain Shabbat, ce sera la fête de Shavuot, la fête des semaines et des prémices. Puisque je vous rappelle, la fête des prémices et de Shavuot, c'est le même jour. Ce ne sont pas deux jours différents. Alors, nous sommes le 39e jour du Homer. Nous sommes 47 jours après la crucifixion du Seigneur. Nous sommes 46 jours après le repas d'Israël en Égypte. 46 jours. Nous sommes le 29e jour du Sauveur, de la naissance du Sauveur. Amen. De la naissance de Yeshua. Et la couleur du jour, c'est le vert. Amen. Voilà. Je reprends jusqu'en haut pour qu'on puisse voir ça bien. Ah, j'ai mis les moutons. Alléluia. Amen. Alors, il y a un truc que je ne vois pas. J'avais pas agrandi. Le titre. Ok, bon. Le titre, je l'ai mis à la même grandeur que les autres. C'est pas grave. Alors, son nom. C'est Istro. Excellence. Il vient conseiller Moshé, tirer des eaux. Alors, lisons à partir du verset premier. Oui, tu peux y aller. Bonsoir, peuple d'Élohim. Alors, Istro. Jethro, ouais. Alors c'est Jethro, excellence. Conseil Moshé. Conseil tiré des eaux. Or, Jethro. Or, excellence. Prêtre de Madian. Prêtre de dispute. Alors je rappelle que Madian, c'est le fils de. C'est le fils de la troisième femme d'Abraham. J'oublie son nom, Elkura, j'oublie son nom. Et Cura, j'oublie son nom, mais après la mort de Sarah, ouvre pour elle, laisse ouvert. Jeanne, ouvre pour elle. Elle veut venir au culte. Et la chienne veut venir au culte. Laisse juste entre-ouvert pour elle. Elle veut entrer. Voilà, juste laisse entre-ouvert pour elle.
Et Madian, c'est un fils d'Abraham. D'accord? Et lui, il était prêtre de Madian. Alors, je rappelle que tous les fils d'Abraham, c'était des circoncis. Tous les fils d'Abraham, ce sont des circoncis. Qui veut dire que tous les descendants d'Abraham doivent être circoncis. Voilà. Alors, je vais revenir sur la circoncision, mais Madian, c'est lui qui est l'ancêtre des Arabes. C'est lui l'ancêtre des Arabes. Alors, c'est pas Agar, mais c'est Madian. Amen. Alors, et sur la circoncision, tous les enfants, tous les descendants d'Abraham devaient être circoncis. Qui veut dire les descendants d'Isaac, qui veut dire les descendants de Israël, mais aussi les autres enfants d'Abraham, qui veut dire Madian, les Madianites, les Ismaélites, tous devaient être circoncis. Qui veut dire qu'après, Isaac a eu deux fils, des jumeaux, Israël, qui est Jacob, et Ésaü. Ésaü était circoncis. Ses descendants devaient être circoncis. Même si ce n'était pas les fils de la promesse. Même si ce ne sont pas... Ésaü n'a pas hérité, mais il devait être circoncis. Et ce qu'on peut constater, beaucoup des fils d'Abraham, beaucoup des descendants d'Abraham sont devenus, à certains moments, en conflit avec Israël. Je vais vérifier, mais je pense que la circoncision joue un rôle. C'est parce qu'ils n'ont pas respecté l'alliance. Parce que quand l'Éternel fait une alliance avec un père, c'est pour sa descendance. Quand il fait une alliance avec Abraham sur la circoncision, c'est pour tous les descendants d'Abraham. Et cette alliance, ils doivent la respecter, même si ce n'est pas eux qui ont hérité, même si ce ne sont pas les fils de la promesse, ce ne sont pas eux qui ont hérité la terre. Mais l'Éternel avait une alliance. Même Ismaël, l'Éternel l'a béni parce que c'est un fils d'Abraham. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas hérité le pays, que le pays, ce n'était pas pour eux, que l'Éternel les a abandonnés. Oui. Des enfants d'Abraham. Alors, comment on fait pour savoir qu'on est enfant d'Abraham? C'est la circoncision. Parce que la circoncision, ce n'est pas quelque chose qui est venu par Moïse, c'est venu par Abraham. Même Moïse et sa femme là, quand il y a eu un problème, et c'est pour comment elle s'appelle? C'est Séphora. Ben c'est Séphora, non? La femme de Moïse. Oui, c'est Séphora, mais tout à l'heure on va donner son nom. Le prépuce. Oui, c'est Séphora. Parce que Dieu voulait le tuer. C'est la fille de Excellence. Ouais. Mais tout à l'heure, son nom, son vrai nom, je vais le donner en hébreu et la signification de son nom. Hein? C'est, son nom est ici là. C'est Séphora qui signifie Séphora, qui signifie moineau ou petit oiseau. C'est mignon, petit oiseau. Alors elle a coupé le prépuce de son fils. Qui veut dire que son fils devait être circoncis. Qui veut dire que Moïse n'avait pas respecter cette alliance. Parce que c'est une alliance avec Abraham. Et Moïse a failli perdre la vie. Ouais. Malgré que l'Éternel venait l'appeler pour aller en Égypte. Mais il n'a pas respecté l'alliance. Parce que c'est une alliance. Des fois, on se pose des questions. Quand l'Éternel fait une alliance, il faut la respecter. Et la seule fois que l'Éternel acceptait
que son peuple ne soit pas circoncis, tu sais à quel moment? Pendant les 40 ans dans le désert. Tous ceux qui étaient dans le désert, tous ceux qui sont nés dans le désert, ils n'ont pas été circoncis. Les derniers hommes qui ont été circoncis, eh bien, ce sont ceux qui étaient en Égypte. Mais comme la majorité sont morts, sauf Caleb et Josué, les deux personnes circoncis qui sont entrées à Canaan, c'est Caleb et Josué. Parce que tous les enfants, tous ceux qui sont nés dans le désert, ils n'ont pas été circoncis. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour les circoncis. Et qu'est-ce qui s'est passé? La première chose que Josué a fait, il a circoncis tous les enfants. Il veut dire tous ceux qui avaient 20 ans. 20 ans jusqu'à 8 jours. Amen. Parce que la circoncision, c'est une alliance. Alors, même ceux qui n'étaient pas des fils d'Abraham, qui voulaient participer aux fêtes de l'Éternel, ils devaient se faire circoncis pour pouvoir manger. C'est-à-dire, sinon tu assistes, tu regardais, mais tu ne pouvais pas manger. C'est-à-dire que ceux qui étaient des étrangers ou des indigènes, ben, s'ils voulaient participer au repas, manger le repas, il fallait se faire circoncis. Amen. Pour dire qu'on est de la même famille que vous, on est du même peuple. On est du même père que vous, spirituellement. On accepte Abraham à ce moment-là comme notre père spirituel. Alors, c'est simple de dire papa Abraham, papa Abraham. Mais est-ce que cela passe par là? Il fallait que ça passe par la circoncision. Alors, aujourd'hui, on dit papa Abraham. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on passe par la circoncision pour cela. Alors, on était à quel verset? À 18. Alors, aujourd'hui, nous lisons toujours le chapitre 18, hein, de Shemo. Alors, Shemo, ça signifie quoi? Shemo. Regarde, il faut ouvrir tes yeux. Regarde Shem. Qu'est-ce que ça signifie Shem? Le nom du fils de... Non, non, ça ne signifie pas Exode. Exode, ça veut dire... L'Exode, ça veut dire ceux qui... C'est le voyage qui est l'Exode. Mais Shemo, ça ne veut pas dire Exode. Shem, le fils de... Le nom. Voilà, comme Hachem. Shem, ça veut dire non. Hein? Pas le nom. Le nom, c'est Hachem. Non. Hein? Mais comme le nom de famille. Et Oté, le Oté, c'est au pluriel. C'est le nom avec S. Parce que c'est en fait, qu'on pourrait dire, c'est les noms. Hein? Comme il y a Shemot, ça veut dire les noms. Hein? Pas le nom, les noms. Les noms de la liste des 70 enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Parce que les Israélites, ils donnent comme nom le mot-clé de la première phrase. Il ne faut pas comme les chrétiens. Bon, quand on écrit une chanson, on fait pareil. Hein. On met le mot-clé de la première phrase. En général, les chansons donnent se retrouvent dans la première phrase. Alors, continuons. Reprends Jethro. Or, Jethro. Excellence. Prêtre de Madian. Prêtre de dispute. Beau-père de Moshe. Beau-père de Thierry des eaux. Appris toutes les choses que je suis, celui qui suis, avait faites pour Moshe. Avait faites pour Thierry des eaux. Et pour Israël. Et pour lutte avec puissante forteresse. Son peuple, comme je suis, celui qui suis, avait fait sortir d'Israël. Non, avait fait sortir d'Égypte. Avait fait sortir... Israël, oui, avait fait sortir Israël. Lutte avec puissance forteresse. De l'Égypte. De terre désespérée. Jethro. Excellence. Beau-père de Moshe. Beau-père de Thierry des eaux. Prit Sippora. Moineau. La femme de Moshe. La femme de Thierry des eaux. Après qu'il l'eut renvoyé. Et les deux fils de cette femme, donc l'un s'appelait Gershom. Étranger. Car il avait dit, je suis un étranger d'une terre étrangère. Et l'autre, Eliezer. Puissante forteresse, secours. Car il avait dit, l'Élohim. Puissance forteresse. De mon père
m'a secouru et m'a délivré de l'épée de Pharaon. De l'épée de grande maison. Yitro. Excellence. Beau-père de Moshe. Beau-père de Thierry des Eaux. Vint vers Moshe. Vint vers Thierry des Eaux. Avec ses fils et sa femme dans le désert où il était campé à la montagne d'Élohim. Où il était campé à la montagne de puissante forteresse. Il fit dire à Moshe. Il fit dire à Thierry des Eaux. Yitro. Excellence. Ton beau-père vient vers toi avec ta femme et ses deux fils avec elle. Moshe. Thierry des Eaux. Sortit à la rencontre de son beau-père. Il se posterna et l'embrassa. Ils se questionnèrent, homme et son compagnon, sous la paix, puis ils entrèrent dans la tente. Moshe, Thierry des Eaux, raconta à son beau-père tout ce que Je suis, celui qui suis, avait fait à Pharaon. Avait fait à grande maison. Et aux Égyptiens. Et à terre. Et aux gens de terre desséchés, désespérés, loin. À cause d'Israël. À cause de lutte avec puissance forteresse. Toute la détresse qui les avait atteints en chemin. Et pourtant, Je suis celui qui suis, les délivrés. Yitro. Excellence. Se réjouit de tout le bien que Je suis celui qui suis avait fait à Israël. À tout le bien que Je suis celui qui suis avait fait à lutte avec puissance forteresse. Parce qu'il les avait délivrés de la main des Égyptiens. Parce qu'il les avait délivrés de la main des gens de terre désespérés. Yitro. Excellence. Dit, béni sois, Je suis celui qui suis. Qui vous a délivré de la main des Égyptiens. Et de la main des Égyptiens. Béni sois, Je suis celui qui suis, qui vous a délivré de la main des gens de terre désespérés. Désespérés, oui, c'est ça. Et de la main de Pharaon. Et de la main de grande maison. Qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Qui a délivré de la main des gens de terre désespérés. Maintenant, je sais que Je suis celui qui suis est plus grand que tous les Elohim. Est plus grand que tous les dieux. Car dans cette affaire où ils ont agi avec orgueil, il y a eu le dessus sur eux. Yitro. Excellence. Beau-père de Moshe. Beau-père de Thierry des Eaux. Prit un holocauste et des sacrifices pour Elohim. Et pour puissance forteresse. Et Aaron. Et éclairé. Et tous les anciens d'Israël. Et tous les anciens de lutte avec puissance forteresse. Vinrent pour manger du pain avec le beau-père de Moshe. Vinrent pour manger du pain avec le beau-père de Thierry des Eaux. Dans la présence d'Elohim. Dans la présence de puissance forteresse. Et il arriva le lendemain, comme Moshe. Comme Thierry des Eaux. Siégeait pour juger le peuple et que le peuple se tenait devant Moshe. Et que le peuple se tenait devant Thierry des Eaux. Depuis le matin jusqu'au soir, que le beau-père de Moshe, que le beau-père de Thierry des Eaux, vit tout ce qu'il faisait au peuple et lui dit, qu'est-ce que tu fais à l'égard de ce peuple? Pourquoi es-tu assis seul et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Et Moshe, et Thierry des Eaux, répondit à son beau-père, oui, le peuple vint à moi pour consulter Elohim. Oui, le peuple vient à moi pour consulter puissance forteresse. Quand ils ont quelques cas, ils viennent vers moi. Je juge l'homme et son compagnon et je leur fais connaître les ordonnances d'Elohim. Et je les fais connaître les ordonnances de puissance forteresse. Et sa Torah. Et son instruction. Mais le beau-père de Moshe. Et le beau-père de Thierry des Eaux lui dit, la chose que tu fais n'est pas bonne. Tu te faneras, toi et ce peuple qui est avec toi. Tu te faneras. C'est bien hein, que tu te fatigueras, mais tu te faneras. Tu vas faner comme une fleur.
En effet, la chose est trop lourde pour toi. Tu ne pourras accomplir tout seul. Écoute ma voix. Je te donne un conseil et qu'Elohim... Et je te donne un conseil et puissance forteresse. Sois avec toi. Sois pour ce peuple devant Elohim. Sois pour ce peuple devant puissance forteresse. Et introduis toi-même leur cas auprès d'Elohim. Et introduis toi-même leur cas auprès de puissance forteresse. Enseigne-leur les ordonnances et la Torah. Enseigne-leur les ordonnances et les instructions. Fais-leur connaître la voie par laquelle ils auront à marcher et ce qu'ils auront à faire. Et regarde parmi tout le peuple des hommes talentueux, craignant Elohim. Et regarde parmi le peuple des hommes talentueux, craignant puissance forteresse. Des hommes de vérité, haïssant le gain injuste, établis les chefs de milliers, les chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Amen. Alors, restons là. Milliers, ça veut dire 10 fois 100. Chef de centaines, 10 fois 10. Et chef de cinquantaines, c'est 5 fois 10. Et chef de dizaines, c'est 10 personnes. Et qui juge le peuple en tout temps, mais qui te présente tous les cas importants et qui juge eux-mêmes tous les cas sans importance, allège-toi et qui les porte avec toi. Amen. Si tu fais cela et que Elohim... Et si tu fais cela et que puissance forteresse... te l'ordonne, tu pourras susciter et tout le peuple parviendra en paix à destination. Moshe, tiré des eaux, obéit à la parole de son beau-père et fit tout ce qu'il lui avait dit. Moshe, tiré des eaux, choisit parmi tout lutte avec puissance forteresse, des hommes talentueux et les établit chefs sous le peuple, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils présentaient à Moshe, ils présentèrent à tirer des eaux les cas difficiles et ils jugeaient eux-mêmes tous les cas sans importance. Puis Moshe, puis tirer des eaux, laissa partir son beau-père qui s'en alla vers sa terre. Amen. Et là, il était moins fatigué. Vous voyez, souvent on parle des 5 ministères. Comme si tout le monde... chacun à son tour. Là, on voit tout le monde travailler en même temps. Eux, ils gèrent les cas les moins compliqués. Et puis, Moshe, il s'occupe des cas les plus difficiles. Comme ça, si parmi cette dizaine ou parmi cette cinquantaine de personnes, il y a un cas compliqué, à ce moment-là, on peut s'en Moshe. Comme ça, lui, il a plus de temps. Et par la suite, il fallait que Moshe parte faire 40 jours puis 80 jours. Et tout le temps qu'il passait en intimité avec l'Éternel. Alors s'il fallait qu'il passe tout son temps à régler le problème du peuple, à quel moment qu'il aurait eu le temps d'écrire les ordonnances? Parce qu'au lieu d'écouter l'Éternel, c'est l'Éternel qui allait l'écouter. C'est pourquoi lorsque nous faisons toutes nos réunions prières, nous parlons, nous passons plus de temps à prier que plus de temps à écouter ou à lire les paroles de l'Éternel. Les paroles que l'Éternel a données à Moshe. Les paroles que l'Éternel a données à ses prophètes. Nous allons grandir plus en lisant les paroles que l'Éternel a transmises à ses prophètes que parler, répéter la même chose, toujours prier pour, je sais pas, pour Marie de minuit, machin des eaux, les machins grand-père. On invente toutes sortes de comment dire, d'ennemis à tout nom.
lisons la parole. Alors, c'est bien ce que nous faisons parce que ça permet de se nourrir de la parole et ne pas se nourrir d'illusions. Parce que souvent, c'est toutes ces choses, on ajoute foi, mais c'est basé sur de l'illusion. Tandis que lorsqu'on lit la parole, et bien, au moment, on découvre plein de choses qui on apprend. Et puis on découvre certaines choses qui c'était des illusions. Amen. Alors je ne dis pas qu'il y a les maris de nuit, ça n'existe pas. Oui, ça existe. Mais il n'y a pas que ça. Tu ne peux pas, depuis le début de ta conversion jusqu'à ta mort, tu joues la même chose, tout en haut. Non. La paracha, ça nous permet d'avancer. Ça permet de faire un pas en avant. Au lieu de tourner en haut, tourner en haut. Alors, il faut que les chrétiens sortent de ce désert. Eux-mêmes se mettent dans un désert à tourner en rond. Non. Mais la paracha, ça permet d'avancer. Même si c'est dans le désert, on avance. On ne voit jamais la même chose. Parce que dès que vous voyez que des hommes, qu'ils soient des serviteurs ou des servantes, dans tout, se répètent, il y a un problème. De renouvellement. Et la paracha, elle est là pour nous renouveler. Tous les jours, on découvre une nouvelle histoire. Mais en suivant toujours le même fil conducteur. Amen. Alors, soyez bénis et espérant que cette histoire vous a édifié. Alors, je ne sais pas si tu as des questions par rapport aux des remarques. Par rapport à Jitro. Parce que. Dans le micro, s'il te plaît. Jitro. Parce que Moïse était parti sans Sipora. Sans sa femme Sipora. Oui, sans sa femme. Il était parti sans sa femme et ses enfants. Et ses enfants. Alors, et comment Jitro a su qu'il était. Alors, il le savait dès le début qu'il était à tel endroit, Jitro, pour qu'il puisse aller. Alors, rejoignent avec Sipora et ses deux enfants. Alors, dans le texte, ça ne nous dit pas. Pour aller le rencontrer. Parce que Moshe est parti. Il est parti en Égypte pour la délivrance du peuple. Là, oui. ça fait 3 mois. Oui. Ça fait 3 mois qu'ils sont partis d'Égypte. Qui veut dire, je n'ai pas une carte pour voir Madian. Où se trouvait Madian, est-ce que j'ai sur cela? Mais qui veut dire qu'il y a des pigeons voyageurs. Les informations. Déjà, ils savaient que Moshe était parti pour l'Égypte. Mais Moshe, il a laissé sa famille. Oui, parce qu'il n'allait pas emmener sa famille dans cette galère pour la libération. Il n'allait pas ramener du monde en Égypte. Parce que déjà, sa famille, ils ne sont pas des. Ils ne sont pas nés en Égypte. Alors, il ne les ramène pas en Égypte, mais j'essaie de voir Madian. Où se trouve Madian? Madian, par rapport à ça, à Canaan. Alors. Madian, par rapport à ça, je n'ai pas de carte pour voir là. Je vois la carte. Madian est là. Est-ce que c'est Madian qui est là? Il faudrait que je vois. J'ai une carte là, mais c'est plus la chronologie. Mais pour savoir comment il a su. Non, parce que déjà, Moshe, il est parti. Quand il est parti, il savait que c'est là qu'il allait. Mais après, comment savoir c'est exactement là qu'il est? Oui, parce qu'il est venu à l'endroit où... Soit c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit, parce que lui, il était un prêtre aussi. Un prêtre. Hein. Qui veut dire qu'il était madianite, qui veut dire qu'il suivait encore les traditions d'Abraham. Soit il était un prêtre sorcier, mais là, ce n'était pas un prêtre sorcier. Parce que ça veut dire qu'il suivait les traditions d'Abraham. Qui veut dire que son père Madian les avait transmis les traditions d'Abraham. C'est pourquoi je vous dis que les Arabes
sont des descendants de Madian. Les Arabes sont descendants de Madian. Ce qui veut dire qu'ils avaient gardé, et on voit que la circoncision, les Arabes se circoncisent. L'Éternel a réclamé que l'enfant se circoncise, l'enfant qu'il a eu avec la Madianite. Alors, parce qu'entre Abraham et Moïse, et Abraham et Madian, et Jéthro, du moins, comme excellence, vous avez à peu près une dizaine de générations. Hein. Même si ça fait au moins 500 ans, mais il y a à peu près une dizaine de générations. Parce que les gens vivaient longtemps, les gens vivaient une centaine d'années. En 1000 ans, tu as 10 générations. Ça va vite. Amen. Et sur le ministère, pour montrer qu'ils travaillaient ensemble. Et tout le monde, on pouvait travailler tous ensemble, chacun dans son coin. Voilà. Et Moïse voulait faire tout seul. Alors, il faut se diversifier. Alors, Jean-Baptiste baptisait dans l'eau. Yeshua baptisait dans l'eau. Et pourtant, ils n'avaient pas beaucoup de kilomètres entre eux. Mais chacun, l'essentiel, c'est de travailler. C'est de faire avancer le royaume des cieux. Alors, on n'est pas tous obligés d'être au même endroit, au même moment, à faire la même chose, tous en train de regarder la même personne. Voilà. Il faut arrêter d'être spectateur. Yeshua, il les a envoyés deux par deux. Hein? Comme ça, vous êtes des binômes pour pouvoir vous renouveler. Mais il n'a pas dit, bon, on va faire tout le monde même, au même endroit, et puis chacun le tour de la parole. Non. Tous son travail, en même temps, vers des endroits différents. Amen. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Amen. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée, une bonne young, riche, rivi. Shalom. Seigneur, près de l'or, hallelujah. Seigneur, près de l'or,
cachée.